pratique du jeu de boules remonte à l'Antiquité. 6 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs se passionnaient déjà pour le lancement de la sphéristique. Les médecins en recommandaient la pratique sans restriction, comme des exercices complets, développant la force des bras et des jambes, la souplesse de la colonne vertébrale, l'aisance de toutes les articulations et nécessitant des qualités de jugement et de promptitude dans la décision. Les boules, un sport. Il est indéniable que le jeu de boules correspond parfaitement à ce critère. Le tirage au sort supervisé par l'arbitre permet de déterminer lequel des deux concurrents va lancer le but. La position du but sur le terrain est marquée. Le premier geste technique du joueur, pointer, c'est-à-dire lancer sa boule le plus près possible du but. La position de la boule est marquée. L'autre joueur va s'efforcer de placer sa boule encore plus près du but. Il réussit son lancer, la boule blanche prend le point, le joueur bleu va tirer. Son adversaire trace au sol le 50. Pour valider le tir, le joueur bleu doit tirer entre le 50 et la boule de son adversaire. Si le but est déplacé fortuitement, on le replace à son emplacement initial. Le joueur jaune pointe sa deuxième boule. Échec. Il doit maintenant jouer sa troisième boule. Il reprend le point et déclenche le tir de son adversaire. Le joueur bleu tire sa quatrième boule et marque un point. Le principe du jeu de la doublette est le même que celui du tête-à-tête, mais dans chaque équipe, il y a un pointeur et un tireur.
L'équipe bleue marque 2 points car ces deux boules sont les plus près du but. Il existe une version cadrette du jeu qui se joue à 4 joueurs par équipe et 2 boules par joueur. Après le jeu traditionnel, nous vous présentons les épreuves nouvelles, originales, sportives, comme vous allez pouvoir le constater. Cette discipline requiert de la part des joueurs des qualités extrêmes de concentration, adresse et maîtrise de soi. Chaque joueur tire successivement 2 boules sur chaque cible numérotée de 1 à 11. Les boules blanches sont des cibles, les boules rouges sont des obstacles. À chaque cible est attribuée une valeur en fonction de la difficulté du tir. Le tir est validé lorsque la cible touchée quitte définitivement l'emplacement qu'elle occupait, l'obstacle restant dans son emplacement. Thank you.
La boule rouge obstacle, ayant quitté son emplacement, aucun point n'est marqué. La boule obstacle rouge a oscillé sans quitter son emplacement. Les points sont comptés. Après tirage au sort dirigé par l'arbitre, la joueuse choisit de pointer. Elle lance le but. Son adversaire trace le cercle de jeu autour du but. Il est, lui, dans l'obligation de tirer. On inversera les rôles dans la deuxième main et ainsi de suite. Chaque fois que la boule est pointée dans le cercle, elle marque un point et oblige l'adversaire à tirer. Chaque joueur doit lancer le but deux fois de suite et il y a 8 jets de but par partie. Thank you.
Lorsque la boule pointée s'arrête contre le but, c'est un biberon qui compte 2 points. S'il reste des boules au tireur, celui-ci a le choix. Pointer dans le cercle, 1 point, ou tirer le but, 2 points. C'est une épreuve individuelle, exigeant de grandes qualités athlétiques. Elle consiste à toucher le plus grand nombre possible de boules dans un temps donné. Seule la réussite, boule touchée réglementairement, permet la progression de la cible sur le tapis, de la plus rapprochée à la plus éloignée, et inversement. Le tireur doit impérativement passer derrière la deuxième raie et prendre sa boule sur le porte-boule. En aucun cas, elle ne peut lui être remise à la main.
30 secondes. Yes, sir.